Bonjour et bienvenue à tous au stade de Fouet-Boigny pour vivre la première demi-finale de ces Jeux de la Francophonie en football. Un stade en liesse, le stade Fouet-Boigny en liesse pour cette demi-finale, la première demi-finale de ces Jeux de la Francophonie entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Et les éléphants ivoiriens donc face aux Maliens pour une place en finale tant convoitée par le pays hôte. Ah, ça va être une rencontre intense que nous allons suivre. Allez, on voit les compositions hein, des équipes, vous l'avez vu avec dans les buts pour la Côte d'Ivoire, eh bien, Dante El Hadj et puis le trio arbitral avec Daouda Gomno, un arbitre central du Niger, assisté de Oscar Carvalho, arbitre du Canada, Nyepé Pierre du Cameroun et puis le quatrième arbitre, ce sera Issa Sy du Sénégal. Les capitaines hein, bien sûr qui échangent les fanions avec côté ivoirien, Brasciano. Tabili et puis du côté du Mali, Camara Mohamed, le capitaine malien. Et en tout cas, ça se concerte au centre du terrain. Le stade du Fouet-Boigny qui commence à se remplir et il est tôt. Ce matin ici à Abidjan, 10h heure locale. Alors je sais que vous nous suivez un petit peu partout à travers le monde. En tout cas, on va voir du grand football avec pas mal de joueurs prometteurs. Hein, je pense notamment côté malien avec Salama Djidou Abdou, le milieu de terrain ou encore l'attaquant Bilal Touré. Et l'entraîneur de la sélection malienne, Jonas Kambla. Très attentif, hein, les deux équipes qui jouent. Ce sera une médaille d'argent ou d'or à la clé en cas de victoire de l'une de ces équipes parce que c'est une place en finale donc qui se joue. Il a plu toute la nuit quasiment sur la Côte d'Ivoire. Le terrain est un petit peu trempé alors que Swalio Aïdara, donc l'entraîneur ivoirien qui mène à bien les éléphants qui arrivent donc dans le dernier carré. C'était déjà l'objectif. Alors maintenant l'objectif pour tout le peuple ivoirien, c'est d'aller chercher ce titre dans ces Jeux de la Francophonie à domicile. On a vu que l'esprit d'équipe était important en Côte d'Ivoire, notamment sur les relais 4 x 100 mètres en athlétisme, dans ce même stade d'ailleurs. Victoire chez les hommes et chez ces dames. Les Ivoiriens qui vont jouer en 4-3-3 avec un attaquant de pointe, Arnaud Lobé.
Alors on entend le coup d'envoi. Allez, c'est parti pour cette première demi-finale des Jeux de la Francophonie 2017. Et on trouve le gardien malien, Youssouf Koïta. Allez, ça part côté gauche et on cherche l'avant-centre, bien sûr. El Bilal Touré, qui va être souvent recherché droit devant. Allez, on repasse derrière pour les Ivoiriens essayer de créer du jeu au milieu de terrain, notamment avec Edgar Dacoy. Essayer de jouer vite. Avec Meleke. On va chercher loin devant. Avec Thierry Cassie Martial. Et c'est les Maliens qui récupèrent la balle. Avec Salamé, Djibou, Abdou. On fait tourner avec Ibrahim Kané sur son côté gauche. Et les Ivoiriens, la bonne récupération. On essaye de s'enfoncer. Et la première frappe, elle est signée. El Bilal Touré bien capté. Pardon, Arnaud Loba qui a fait la bonne frappe bien captée par Youssouf Koïta. Première occasion donc pour les Ivoiriens. Et il y a du public, hein, du public malien qui est également venu, bien sûr, le public ivoirien parce qu'ils sont à domicile. Et malien qui joue derrière avec Youssouf Koïta. Le bon dédoublement avec Salamé Djidou. Salamé Djidou toujours en dédoublant sur le côté gauche. Ça passe pas mal sur le côté gauche pour les Maliens avec Ibrahim Kané désormais. Et la faute. Et la faute sur Salamé Djidou. Et c'est un premier coup franc qui va être en faveur des Maliens. Il y a Ibrahim Kané qui s'approche du ballon. Allez, Ibrahim Kané pour... Et le public malien qui est venu en nombre, je vous disais qu'il fait beaucoup de bruit dans ce stade Oufouet de Boigny, malgré qu'on soit en Côte d'Ivoire. Et c'est bien parti. La tête s'est repoussée par la défense ivoirienne, pas de souci. Et les Maliens toujours côté droit, cette fois on a changé de côté. On travaille côté droit. Petit et petit passement de jambe. Et ce sera une touche. Et bien très très bon début de match. Hein. 3 minutes 15 de jeu déjà et beaucoup de rythme, beaucoup d'intensité dans cette première demi-finale des Jeux de la Francophonie. Alors que le stade Oufouet Boigny se remplit petit à petit. Allez, le corner, non, la touche, pardon, pour les Maliens, tout proche du poteau de corner. Les Maliens, côté droit. Et là, ce sera un corner pour les Maliens qui poussent désormais. Après la première occasion, tout à l'heure, le tir de Arnaud Lobaké, eh bien, les Maliens qui réagissent avec leur entraîneur, hein, Jonas Combla. Et pour le tirer, le mettre à jouer, Salamaï Djidou. C'est frappé et peut-être la reprise. Ah, ça a été contré. Encore une belle occasion pour les Maliens.
Il faut sortir côté ivoirien parce qu'il y a le danger. Allez, on repasse derrière pour les Ivoiriens chez eux. Ils se doivent de réaliser un bon résultat ici. Ils sont très attendus. En plus, on le sait, depuis le début de la compétition, il y a une ferveur incroyable autour des matchs de foot. On a vu des envahissements de terrain en fin de rencontre lors des victoires de la Côte d'Ivoire. Alors, c'était pas au Stade Oufouet de Boigny, c'était au Palais des Sports la plupart du temps. Mais vraiment un peuple qui vit, qui vibre pour le foot. Avec notamment forcément des grands noms qui ont émané du football ivoirien les dernières années, avec notamment Didier Drogba, Kalou, enfin bon, j'en passe, c'est des meilleurs. Alors que le Mali est également une grande nation du foot. Deux équipes qui se connaissent bien, régulièrement face à face lors des Coupes d'Afrique des Nations. Côte d'Ivoire qui est également connu. De nombreux beaux parcours en Coupe du Monde. Allez, les Maliens qui restent dans le camp, en tout cas pour l'instant ivoirien. Alors que la Côte d'Ivoire va pouvoir se dégager ou le contre. Attention avec le bon ballon récupéré par Hadji Dramé pour le Mali. Et ça glisse beaucoup. Hein. Et beaucoup de duels. Les Ivoiriens cette fois à l'attaque. On va chercher devant peut-être. Il est tout seul, l'attaquant. Il tombe dans la surface. Est-ce qu'il y a pénalty? Oui, pénalty, j'ai l'impression, pour Thierry Cassie-Martial qui obtient le pénalty. Il s'était incrusté tout seul dans la surface. Et l'arbitre de rencontre, Gomo Daouda, qui n'a pas hésité. Pénalty sur cette incursion de Thierry Cassie-Martial. Allez, on va revoir. Est-ce que c'était dans la surface? Ah, c'était limite dans la surface. Ah, d'ailleurs, ce sera un coup franc. Ouais, c'était juste à la limite de la surface. Et là, il y a tout le public qui dit il y a peut-être pénalty. On voit très clairement sur les images, c'est juste à l'extérieur de la surface de réparation. Et donc, ce sera un coup franc pour cette équipe de Côte d'Ivoire. Et là, ça c'est une phase vraiment travaillée régulièrement à l'entraînement. Vous savez, avec le mur de joueurs. Le but ici de passer au-dessus. Alors, il y a Souleymane Diaby qui s'approche du ballon. On va revoir. Regardez, c'est vraiment juste à l'extérieur de la surface. Donc, c'est très logique. Il s'effondre après dans la surface. Mais le début de l'action est à l'extérieur. Allez, ils sont deux pour pouvoir le tirer. Souleymane Diaby a l'air sur le ballon. Mais à moins que ce soit un tir du droit. Non, c'est Souleymane Diaby du gauche. Oh, le poteau pour Souleymane Diaby qui touche le montant en droit de Youssouf Koïta. Et ça chauffe déjà pour les Maliens. Premier avertissement. Le deuxième après la frappe d'Arnaud Lobaraké. Et la touche désormais pour les Maliens. On repasse derrière. Et la Côte d'Ivoire à l'attaque. Avec son duo d'attaque impressionnant. Les Ivoiriens avec Thierry Cassie-Martial. Et Arnaud Lobéaka. Allez, les Maliens qui tentent encore des choses. Allez, encore côté gauche, ça joue vite. Avec toujours Martial qui remonte. Et l'arrêt de Youssouf Koïta sur cette action de Martial. Thierry Cassie, encore lui. Il est partout, ce numéro 11 ivoirien.
C'est lui qui a provoqué le coup franc tout à l'heure et là il se procure une très belle occasion repoussée par Youssouf Keïta. Beaucoup d'occasions, c'est un match très plaisant. 10e minute de jeu déjà et le spectacle est au rendez-vous. Là ça joue pas du tout à défense, hein, c'est le football africain que l'on aime. Football africain d'attaque avec de l'engagement, vous le voyez, mais toujours dans le bon esprit. Pas de temps mort avec Hadji Dramé. Boudjidou qui a essayé de reprendre le ballon et de nouveau les Ivoiriens avec Martial Cassi. Ah, Martial Cassi cette fois qui n'y est pas allé. Ah, le voici, Martial-Cassi, les amis, qui fait pour l'instant le show sur ce stade Oufouette-Boigny. On sait hein, que ces épreuves des Jeux de la Francophonie en foot sont vraiment scrutées par de nombreux recruteurs aussi. Même si déjà la plupart des joueurs jouent dans des grands clubs ou des réserves de grands clubs. Et c'est vrai que c'est les jeunes pousses, on est au niveau... Il y a à la fois des U20, des U19. Et nouveau coup franc pour les Ivoiriens. Allez, il est frappé par Brasseno Tabili. L'interception en deux temps de Youssouf Keïta. Pas forcément des plus rassurants pour l'instant, mais ça tient. Et on remonte le ballon avec Mamadou Samaké. Et derrière, il a glissé Abdou Djidou et les Ivoiriens qui en profitent. Ah, la touche qui sera donnée aux Maliens. Avec pour la remise en jeu, Ibrahim Kané. Il a le feu dans ses jambes également, Abdou Djidou. Allez, on fait tourner du côté du Mali. Allez, côté gauche toujours avec Martial Cassi. Je vous le disais, il est incroyable ce joueur. La frappe de Martial Cassi, ça s'envole, mais ça se rapproche pour les Ivoiriens, les éléments ivoiriens qui sont bien rentrés dans cette rencontre, dans l'humidité. Il fait déjà très chaud ici, très humide, dans ce stade Oufouette-Boigny face aux aigles maliens qui ont du mal à piquer alors que l'on revoit le coup franc qui a touché le montant droit de... Ouais, il touche le montant droit de Youssouf Keïta. Les Ivoiriens qui pressent avec la tribune présidentielle qui se remplit. Allez, vous la voyez pas, elle est en face de celle que l'on voit sur votre écran. Et il y a beaucoup de monde en tout cas. Et en plus, ça ne cesse d'arriver. Hein. Il faut dire qu'il est tôt au Mali, en Côte d'Ivoire, je vous le disais. Et inutile de vous dire qu'à mon avis, d'ici la mi-temps, on n'y est pas encore à la mi-temps. Là, c'est une erreur de santé. On est toujours bien dans la rencontre. 14 minutes de jeu. Et toujours 0-0 dans cette rencontre entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Rencontre passionnante de ces Jeux de la Francophonie. Le Mali qui a remporté sa poule alors que les Ivoiriens ont terminé deuxième de leur poule. Allez, on fait tourner avec les Maliens et Camara Mohamed. Côté gauche, ça va sortir. Et tout de suite les assistants qui remettent le ballon. Alors, on veut jouer vite, on aime le rythme, on aime le tempo. Rythme très élevé. Hein. Alors, il faut dire que les organismes commencent à être usés. Hein. Les deux équipes ont eu 3 matchs de poule, un match tous les deux jours, 90 minutes à chaque fois dans les jambes.
Et l'attaque malienne s'est stoppée avec cet incroyable Abdou Djidou qui est partout encore lui. On va retrouver Djidou. Djidou pour le centre. Et ce sera une touche trouvée par les Maliens. On joue vite avec Ibrahim Kané. On essaye vite de se projeter vers l'avant. Il n'y a pas forcément une énorme construction au milieu de terrain, même si vous voyez dans le dernier geste, pour l'instant, on passe vite en fait des milieux récupérateurs à l'avant, que ce soit les milieux offensifs et qui vont chercher les attaquants. En tout cas, les deux attaquants de la Côte d'Ivoire pour l'instant pèsent sur le jeu, que ce soit Arnaud Lobaaké ou Martial Thierry Cassie. Allez, les latéraux qui jouent parfaitement leur rôle. Allez, peut-être encore un bon ballon. Oh, il n'a pas pu, c'est dommage. Arnaud Lobaaké lui a manqué, allez quoi, 15 cm. Un attaquant ivoirien. Allez, on va revoir cette action, regardez. Au bout de... Ah, il essayait là du pointu. Le voici, Arnaud Lobaaké. On repasse derrière avec côté droit. Il se fait contrer le Malien. Et toujours Martial Thierry Cassie qui pose d'énormes problèmes à la défense malienne. Il va falloir qu'il serre le jeu un petit peu au niveau de la défense là, des Maliens, parce que c'est une défense un peu trop perméable pour le moment. Petite mimine là, petite main. Et coup franc à venir pour les Ivoiriens. Et ça joue pour la Côte d'Ivoire. Ça joue rapidement avec le capitaine ivoirien, solide, Willy Tabi. Et les corners pour les Ivoiriens. Corner rapidement joué. On retrouve le capitaine. La frappe. Oh, le but. Incroyable. L'ouverture du score pour Souleymane Diaby qui avait continué son action. Et Souleymane Diaby, après une petite erreur également du gardien Youssouf Koïta, et bien Souleymane Diaby qui ouvre le score ici au stade Fouette-Boigny, qui libère tout un peuple, tout un pays. Et la petite bévure de Youssouf Koïta qui était... On le pensait sur le ballon. Il a pris sa chance, Souleymane Diaby, après un corner rapidement joué. Une action également de Willy Tabi. Le capitaine, le 1-2 parfait. C'est lui qui est à l'origine de l'action en ayant frappé le corner rapidement. 1-2 avec son capitaine Willy Tabi. Puis la frappe de Souleymane Diaby. Le malheureux Youssouf Koïta, c'est même lui qui met contre son camp. Regardez, ça frappe et ça... repousse sur Youssouf Koïta, le malheureux portier malien qui vient mettre le but contre son camp. Oh, il est accordé à Souleymane Diaby. On va voir, parce que c'est la frappe. La frappe est du côté de Souleymane Diaby. Mais après, derrière, c'est Youssouf Koïta qui fait que la balle rentre dans le but. Eh bien... Là, les Maliens vont devoir prendre des risques, prendre le match à leur compte désormais, parce qu'ils doivent revenir absolument mener 1-0 à la 18e minute de jeu. Allez, les Ivoiriens toujours à l'attaque. Ils veulent même en marquer un deuxième, faire le break dans cette rencontre. Et ça presse. Le coup franc à suivre pour le Mali. Avec le portier Youssouf Koïta. Une bévue, mais c'est vraiment pas évident. Lorsque ça rebondit comme ça sur le poteau, après ça a retapé donc dans Youssouf Koïta. Et le malheureux portier malien qui a dû aller chercher
le ballon au fond de ses filets. Avec Abdou Djidou. On joue au milieu de terrain, on essaie de jouer vite, les Maliens qui doivent réagir, mais regardez, ça se précipite et ça sort. Un petit peu trop de précipitation, l'envie de bien faire, hein, forcément, pour amener son pays en finale des Jeux de la Francophonie. Allez, peut-être une attaque là pour les Maliens. C'est repoussé sans problème par les Ivoiriens. Et toujours Martial Kouassi, Martial Kassi qui impose son physique. Et alors, l'arrière droit, même Adou Sakho, j'ai un petit peu mal pour lui parce que le Malien, c'est vraiment difficile hein, de tenir Martial Kassi. Et pourtant, il ne le lâche pas, hein. Mamadou Sakho, le Malien, il reste sur Martial Kassi. Mais bon, la vitesse et le physique de Kassi fait pour l'instant la différence devant. Il y a une équipe qui passe avec plusieurs schémas tactiques. Hein, les Ivoiriens, ils sont passés du 4-4-2 à un moment donné à un 3-5-2. On se projette assez rapidement vers l'avant avec les latéraux qui ont une bonne influence. Alors on essaie de trouver. Non, ça ne donnera rien. Et du coup, c'est Youssouf Koïta qui s'empare du ballon. Le portier malien qui essaye de jouer vite. C'est football plaisir, en tout cas sur le terrain, regardez. Ouais, il y a une petite faute peut-être. Mais il y a peu de mauvais gestes, hein, peu de fautes. Et regardez, on a toujours cette volonté de jouer très rapidement avec Abdou Djidou. Et on repart côté droit. Ouais, c'est un bon dédoublement. Ouais, c'est un petit peu trop fort. Pas facile hein, pour Mamadou Sakho qui pour une fois avait lâché Martial Kassi derrière. Alors qu'on revoit cette frappe, il y a clairement... but contre son camp après cette frappe de Souleymane Diaby. C'est bien Youssouf Koïta qui met la balle au fond de ses propres filets. Ça c'est toujours difficile à vivre. Et pas grand chose, la balle arrive tellement vite après dans son dos. Il est bloqué. Le banc ivoirien où on retrouve Moussa Bamba, le portier Anderson Niangbo. Junior Traoré, Alice Anogo, Kouya Mabéa et Junior Yeo côté ivoirien, alors que du côté du Mali sur le banc on retrouve Al Khalifa Koulibaly, Siaka, Sidibé Traoré, Draman, Abdoulaye Dabo, Cheikh Oumar Doucouré, Lassana Diaye et puis Mamadou Traoré. Allez, on joue le long de la ligne, toujours avec le capitaine ivoirien. Intéressant également ce capitaine ivoirien, Willy Tabi, qui amène sa présence en milieu de terrain. Et beaucoup d'impact, hein. Alors que Edgar Dakoy lui est très vif, très rapide. Allez, c'est reparti avec Abdou Djidou. Mais tout de suite, les Ivoiriens qui désormais se montrent toujours plus pressants avec le capitaine. Peut-être un bon ballon. Dans la surface, c'était très chaud avec Martial Kassi qui n'a pas pu armer sa frappe. Le jeu se poursuit côté gauche avec Souleymane Diaby. Martial Kassi. Le nouveau côté gauche de bon centre. Oh là là, on est passé tout près du deuxième but contre son camp avec Mamadi Fofana qui a dégagé comme il le pouvait. J'ai cru à un moment que ça allait prendre la lucarne. On va revoir ça. Le Mali en grosse difficulté. Oh, et c'était encore une frappe de Souleymane Diaby. Et là, c'est Mamadi Fofana qui a frôlé la correction. Ils sont dans les cordes, nos amis maliens. Alors, c'est qu'on nous regarde également. Hein. Au Mali, on salue tout le Mali. Et bien sûr, en Côte d'Ivoire, dans toute l'Afrique francophone, ce pays, ce match est diffusé d'ailleurs dans le monde entier.
avec pour frapper cette balle. Souleymane Diaby, ça s'élève. Oh, ah, quel impact des joueurs ivoiriens. Avec Mustapha Camara qui était sorti de sa défense pour venir placer sa tête, lui le défenseur central de cette équipe ivoirienne. ...25 minutes de jeu, toujours 1-0 hein, donc pour les éléphants ivoiriens face aux aigles du Mali. But, on vous le rappelle, inscrit à 18e minute de jeu avec un but contre son camp du portier malien Youssouf Koïta après une bonne frappe de Souleymane Diaby. Allez, Malien qui joue vite, on repart côté droit avec Mamadou Sakho, le latéral. C'est dégagé. Allez, on percute que côté droit, encore du côté du Mali. Et pour l'instant, la défense ivoirienne hein, qui est vraiment très solide, bien placée. Attention, peut-être ici, avec le monsieur l'arbitre ne dit rien, il y avait une sortie hein, de Dante El Hadj, le portier ivoirien, lorsqu'il a tout embarqué au passage. En tout cas, les Maliens qui n'ont pas protesté. Et ça se poursuit avec de nouveau Martial Cassi. Martial Cassi sur son côté droit. Il percute, il était à gauche tout à l'heure, il passe côté droit, il est partout. Les Maliens qui reculent toujours. Et regardez, ça revient. Ils sont partout. Les Ivoiriens, elles se centrent un petit peu au bout de course, c'était pas facile. Le centre de Thomas Zaïdrazi. Ah, vraiment au bout de course, il n'y avait plus de force. Et Youssouf Koïta qui s'empare du ballon. La touche rapidement jouée. Oh, ça joue, là on joue un petit peu avec le feu en défense. Et ce sera une touche pour les Maliens qui répondent en ce moment. Aux Ivoiriens, ils n'ont plus le choix les Maliens. Il faut qu'ils attaquent à présent pour essayer de revenir dans cette partie. Alors que les drapeaux sont de sortie à la fois les drapeaux maliens et puis les drapeaux forcément ivoiriens. Mais belle ambiance hein, dans ce stade. Oufouane Boigny qui continue de se remplir. On a vu une belle fête en tout cas depuis les débuts de ces Jeux de la Francophonie. On rappelle également que la France a été éliminée après une défaite face au Congo. La France qui est emmenée par Bernard Diomède, champion du monde avec la France en 1998. Et bien la France, pendant qu'il y a des joueurs hein, qui jouent notamment dans les centres de formation et dans les équipes d'Arsenal, de Marseille, du Paris Saint-Germain, et bien les Français, Toulouse également, et bien les Français ont dû s'incliner et repartir du côté de Paris. Allez, on joue toujours côté malien, on essaye de percuter, trouver des solutions, mais vraiment incroyable équipe très solidaire de Côte d'Ivoire pour l'instant, avec de nouveau un 4-4-2 bien positionné, des joueurs sûrs. La vivacité hein, d'Edgar Dakoy qui fait du bien pour... Il est un peu comme un poulpe. Il arrive à prendre tous les ballons qu'il souhaite. Edgar Dakoy. À l'image d'un Blaise Matuidi. Allez, les Maliens qui ont peut-être... ils avaient une belle situation parce qu'ils étaient à 2 contre 1. Mais il n'a pas pris de risque. Mustapha Camara, le voici. Dans ces cas-là... Alors qu'on se repose sur les bancs de touche. On a moulé les amis maliens. Oh, c'est joli. Oh, petite aile de pigeon.
Allez, Willy Thiaby. Alors, on sent les vuvuzelas là aussi. Ça rappelle Coupe du Monde en Afrique du Sud. Les vuvuzelas, il y en a beaucoup aussi ici dans les stades ou également au Palais des Sports où se déroulent les compétitions de basket d'ailleurs que vous pourrez voir en fin de journée. Il y a également les demi-finales aujourd'hui en basket, à la fois en foot et basket. Et puis on vivra les grandes finales du foot et du basket dimanche. Ah, il y a encore de belles choses à vivre dans ces Jeux de la Francophonie, avec notamment demain de la lutte africaine. Toujours très impressionnant, il y a une foule énorme. Oh là là, hey, c'est moi qui est là. Par contre, grosse erreur de Kofi Andé, mais en tout cas, il n'y a pas de souci. La demi-heure de jeu est toujours à la Côte d'Ivoire qui est devant 1-0 après ce but de Souleymane Diaby, enfin sur une frappe et puis contre son camp après de Youssouf Koïta. On verra si la FIFA attribue ce but à celui qui a frappé ou donc au gardien qui a mis la balle contre son camp. Parce que c'est bien sûr un match qui est régi par la FIFA. Match international. Entre deux équipes phares du continent africain sur le plan footballistique. Et le corner donc pour les Ivoiriens. Ils ont été dangereux depuis le début sur corner avec Martial Cassi. Martial Cassi a un mauvais contrôle. Ça ne lui arrive pas souvent. La frappe lointaine, hein, c'est un petit peu désespéré. Hein. Alors qu'on vous rappelle que les championnats européens vont reprendre bientôt. La Ligue 2 française d'ailleurs reprend ce week-end. La Ligue 1 française reprend la semaine prochaine. Et puis ensuite, on aura le retour de la Liga espagnole, Bundesliga allemande, un petit peu plus tard, fin août. On sait partout à travers le monde, vous aimez hein, ces compétitions. La Première Ligue également anglaise, très suivie. Partout dans le monde, c'est le gratin du football. Et tous ces joueurs également africains viennent jouer dans les grands championnats. Et nul doute qu'on reverra les 22 acteurs du jour dans les prochaines années sur la scène du football mondial. Et pour certains, c'est déjà le cas d'ailleurs. Allez, le coup franc, on essaye de jouer vite côté ivoirien. Et pour l'instant, la Côte d'Ivoire qui gère parfaitement son avantage au score. Prennent pas de risque, on les sent pas du tout déstabilisés. Et le premier carton jaune, il est pour le capitaine de cette équipe malienne, Camara Mohamed. Faute au milieu de terrain pour Mohamed Camara. Normalement on ne touche pas trop l'arbitre, faut faire attention. Pas trop discuter parce que ça serait quand même dommage de finir la rencontre à 10 contre 11. Voilà, il y a avertissement, il faut respecter la décision de monsieur l'arbitre, monsieur Daouda Gomno, l'arbitre du Niger de cette rencontre, un arbitre neutre, hein, c'est important. Allez, ça joue vite, toujours côté ivoirien. Monsieur l'arbitre qui dit de poursuivre. Et ça se relève. On passe côté gauche alors que le capitaine ivoirien est resté au sol. Peut-être la frappe du droit. Non, il n'a pas de petit droit. Non. Martial Cassi. Ah, c'est dommage. C'est dommage parce que il y avait une opportunité. Peut-être de mieux faire, mais j'ai l'impression que Martial Cassi n'a pas pu reprendre. Mais c'est surtout avant le. C'était Souleymane Diaby qui a un bon pied gauche, mais j'ai l'impression que son pied droit est un petit peu moins bon, les amis. Le voici Martial Cassi qui pour l'instant est le grand homme de la rencontre également, même s'il n'a pas marqué, mais il gêne vraiment cette équipe malienne, alors que vous voyez le capitaine Willy Thiaby qui reste au sol.
juste à l'extérieur de la surface de réparation malienne. Le corner à suivre pour la Côte d'Ivoire avec pour le frapper. Martial Cassi. Ça s'élève bien encore, hein, ils ont vraiment une bonne détente. Ça ne paye pas, mais et voilà, le feu follet. Je l'aime beaucoup ce joueur, même s'il a raté, il a loupé la balle Edgar Dacoy, mais intéressant, meilleur récupérateur. Il vient un petit peu comme une pieuvre, un poulpe comme vous voulez. En tout cas, il va chercher les ballons, il récupère avec ses jambes élastiques. Et on fait tourner avec Ibrahim Kané. Côté gauche désormais. Hadji Dramé. Ça joue vite. Le maître à jouer, Abdou Djidou. Et toujours Mamadou Sakho. Mamadou Sakho qui obtient la touche, qui garde la touche. Le ballon est dans le camp ivoirien. 10 minutes encore avant la pause. Le rythme qui ne baisse pas vraiment, hein, ça continue de jouer. Il y a 15-0 et voilà, allez, une bonne situation. Hein. Un 2 contre 3 à jouer pour les Ivoiriens et ils vont très vite devant. On essaie de chercher en 1-2. Peut-être Martial Cassi qui n'est pas trouvé, c'est dommage. C'est dommage, il est un petit peu trop personnel. Arnaud Lobé. Ok, il attendait ce ballon, Martial Cassi. Il s'est enfermé, il a attendu un petit peu trop Arnaud Lobaké et puis après il ne pouvait plus faire grand chose. Dommage, dommage. Et toujours Cassi. Cassi cherche une solution. Ah, du coup, il n'a pas passé à son copain. Allez, Willy Tabi. Et ça sort. Dommage. Ah, c'est les premières mésententes entre les deux attaquants. Entre Lobaké et Cassi. Ça va s'arranger. Hein. Depuis le début, ils avaient une bonne complémentarité. C'est deux joueurs, en tout cas, qui fatiguent, qui pèsent hein, sur la défense malienne. Allez, ça joue vite. Encore et toujours. Peut-être la frappe malienne avec Ibrahim Kané qui a été au bout de son effort. C'était un petit peu compliqué quand même. Il y avait beaucoup d'Ivoiriens autour. On va revoir cette chevauchée d'Ibrahim Kané. Ça fait longtemps quand même que les Maliens ne s'étaient pas procuré une frappe. Même si là c'était un petit peu... compliqué. Allez, toujours, on cherche Cassi devant. Cassi encore, la frappe de Cassi. Et ça passe au-dessus. Il est intenable ce Martial Cassi. Et il pèse de tout son poids. Hein. Énorme pressing encore des Ivoiriens. Ils sont 4, ils veulent absolument faire le break. Hein. Ouais, ils ne gèrent pas du tout le score. C'est intéressant parce que c'est ce qui rend le match aussi attractif. Hein. On ne reste pas à 10 derrière. Comme ça peut être le cas en ce moment un petit peu en Europe. Et on continue de jouer, continue de se procurer des actions. Vous le savez, la meilleure défense, c'est toujours l'attaque. Après, à 2-0, on peut voir, mais tant qu'il y a 1-0. Alors que Djemoussa Traoré... a essayé de s'incruster dans la défense ivoirienne là-bas. La touche pour le Mali. On repasse derrière. Et toujours les Ivoiriens encore à 3 contre 3. Sans deux faux passes. Voilà. On cherche Lobaké. Lobaké avec. Ah, c'est bien fait derrière. On ne l'avait pas vu venir. La frappe peut-être
Ah, c'est dommage, la frappe du capitaine Willy Tabi qui passe à côté, mais ces trois-là créent un véritable danger, que ce soit les deux avant-centres, enfin les deux avant, Arnaud Lobaké et Martial Cassis, juste derrière Willy Tabi qui vient souvent en renfort. Le pied gauche de Tabi qui n'a plus fait en mouche. Ah, et là, je crois que l'entraîneur malien va se faire exclure, les amis. Ouais, ça râle beaucoup là. Oh là là. Énorme. Là, ça discute beaucoup avec l'arbitre central d'Aouda Gomno. Et il s'assit également. L'entraîneur Jonas Combla qui s'en prend à l'arbitre. Et je crois, messieurs dames, qu'il va être exclu de son banc. Aïe, 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 le ton qui monte là. Alors, il veut rester là. Ah, il est énervé, il est fou. Ah, le camp malien qui dit un peu ce qu'il en pense à l'arbitre. Il y a beaucoup de Maliens dans le stade. Et les Ivoiriens qui répondent en disant oh, non, non, vous n'avez pas à répondre. C'est un petit peu chaud. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. En tout cas, l'arbitre du Mali, lui, ne veut pas sortir. Eh ben ça enflammait un petit peu, ça va enflammer un petit peu plus sa rencontre et nul doute que les Maliens vont réagir après ça. Allez, demande-moi, ils disent, allez, sortez, sortez. Oui, alors là, il y a tout le staff, tout le banc malien. On va peut-être pas virer non plus tout le banc malien, mais ce serait compliqué. On dit. Tous les joueurs sont rappelés. Ah, il y a le staff malien qui a rappelé ses joueurs. Et là, il y a même un arbitre, l'un des entraîneurs de cette équipe, il dit non, non, moi, si c'est comme ça, je préfère pas continuer le match. Qu'est-ce que ça va donner, cette histoire, les amis? Je n'en sais rien, mais en ce moment, c'est un petit peu tendu, il y a de la tension dans l'air. Et l'entraîneur de cette équipe malienne, Jonas Combla, ça discute beaucoup. J'avoue, j'ai pas trop compris pourquoi on voulait exclure l'arbitre malien. Un petit peu de mal à comprendre. En tout cas, le jeu, le temps qui s'écoule, ça doit faire une bonne minute 30 hein, que ça discute sérieusement. Le staff ivoirien, lui, ne s'en mêle pas, reste dans son coin. Ah, ça râle beaucoup, il y a même de la tension dans l'air là. Sur le banc malien, je regarde un petit peu au-dessus de ma tête et très compliqué. Le capitaine Mohamed Camara de cette équipe du Mali également qui vient dire ce qu'il pense à l'arbitre, lui qui a écopé un carton jaune tout à l'heure. Là, il y a beaucoup de tension. Et là, je ne sais pas, il faudrait peut-être un officiel qui descende également parce que c'est l'incompréhension totale. Un arbitre qui n'en démord pas, hein, Daouda Gomno, qui veut vraiment que l'entraîneur malien sorte du terrain. Il n'en a pas du tout l'intention, il est bien sur son banc. Les Ivoiriens qui restent concentrés.
Ça trottine un petit peu, alors que ça discute toujours hein, dans cette rencontre. Écoutez, j'ai rarement vu ça. Bon. Eh bien, le temps qui s'écoule, on vous rappelle le score en tout cas. Marqué 1-0 hein, avec une frappe de Souleymane Diaby. Repoussé par le portier malien dans son propre filet à la 18e minute de jeu. Et un gros plan sur le staff malien. Non, l'arbitre il veut pas, bah forcément, hein, vous savez, c'est toujours beaucoup de tension, des grosses personnalités. Personne ne veut lâcher son bout de terrain. Donc l'entraîneur malien dit moi je reste. Les arbitres il dit non tu dégages. Donc comment on fait dans ces cas-là? C'est un petit peu compliqué. Et personne. Et du coup. Là c'est un petit peu compliqué. Bon ça fait sourire. Alors que l'on va revoir le but. Ben oui, voilà, nous on préfère le jeu avec cette frappe de Diaby et le but conçu de son camp de Youssouf Koïta, le malheureux portier malien. Bon là il va falloir tout de même réagir parce que écoutez les amis, déjà le timing est toujours un petit peu serré hein, dans ce genre de compétition. Et là ça fait déjà 3-4 minutes hein, en tout cas qu'on discute. Les officiels essayent de calmer les esprits. Alors après c'est vrai que l'arbitre reste maître du jeu normalement, mais il y a des gars de la FIFA qui sont descendus essayer de calmer le jeu. Alors que le stade continue de se remplir hein, ici. Là si vous habitez à Abidjan, n'hésitez pas à venir voir cette demi-finale où tout à l'heure il y aura la deuxième. Alors hors local tout à l'heure la deuxième des finales sera à 15h. Ouais, ça discute encore. Et je vous le disais tout à l'heure. Et regardez, non, tout le monde, il y a beaucoup de tension hein, entre les équipes, les membres. On va voir ce que ça donne. Ouais, ça commence à être très très chaud là, les amis. Avec du coup l'arbitre, l'entraîneur malien, après 5-6 bonnes minutes, qui va tout de même regagner les tribunes. Ouais, énorme tension et Jonas Combla qui est parti dans les tribunes. Ça arrive, hein, on en voit hein, parfois des entraîneurs qui sont exclus de banc et le jeu qui va certainement pouvoir reprendre. J'espère qu'on aura le fin mot de l'histoire, parce qu'en fait, si vous voulez, ça va être des mots hein, avec TV entre l'entraîneur et les arbitres. C'est des mots qui ont dû être prononcés et voilà, qui ont fait que la décision de l'entraîneur a été prise de sortir l'arbitre de la rencontre. Les officiers, en tout cas, sont descendus. Ouais, ça va faire 5 minutes. On va à 5 minutes d'arrêt de jeu, je pense, alors que. Et l'entraîneur qui revient, alors là je ne comprends pas. Alors, on a dû faire un pas de chaque côté, l'entraîneur qui a fait un pas pour sortir et puis l'entraîneur malien qui revient. Et du coup c'est l'entraîneur adjoint qui sort. Eh bien, dites-moi, ça promet en tout cas pour cette fin de mi-temps et la deuxième mi-temps qui suivra. Ah, ça se calme pas sur les bancs. Le temps avait un petit peu baissé, mais ça continue d'être très très chaud.
Et l'arbitre du Niger qui a pris ses responsabilités. L'adjoint du Mali qui va sortir. Ah, on sait déjà que le climat autour de cette rencontre était un petit peu bouillant. Ces rencontres de foot, hein, il y a toujours un petit peu de tension. Mais et voilà, un petit peu plus encore. Allez, tout le monde, il faut raison garder. Et le jeu qui reprend, c'est ce que l'on préfère, en tout cas sur nos antennes. Et c'est l'esprit aussi de ces jeux de la francophonie. Il faut garder une bonne attitude. Même si parfois on a un petit peu mal. Les Ivoiriens tout de suite qui reprennent le jeu. À la faute malienne. C'est pas sifflé. Il va y avoir de l'attention, hein, je vous le dis, c'est sûr. Alors que la première mi-temps va être la première mi-temps la plus longue de l'histoire, les amis. Avec Willy Tabi. Et toujours un joueur ivoirien qui restait au sol. C'était juste après la reprise du jeu. Allez, c'est Martial Cassi qui a été séché. Le meilleur joueur de la rencontre depuis le début de ce match. J'espère qu'il va pouvoir se relever parce que il animait, hein, cette rencontre, il mettait le feu. Qui est là pour Martial Cassi. Ah, il va se relever. L'éléphant ivoirien est solide. On joue depuis 53 minutes dans cette première mi-temps. Alors attention, parce qu'on pourrait croire avec le score, enfin le synthé du timing, on est bien à 45 plus 7 en fait. Hein. Donc voilà, 45 minutes plus 7. Nous sommes toujours dans la première mi-temps de cette rencontre, hein, entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Toujours 1-0 pour les éléphants ivoiriens chez eux. Alors que le Mali est à l'attaque. Bien contré. Peut-être une chevauchée de Djeboussa Traoré. 7 minutes de temps additionnel. Je pense même qu'il y aura un petit peu plus parce qu'on joue, en fait, si vous voulez, depuis 7 minutes dans le temps additionnel. Hein, parce qu'on est 45 plus 7. Allez, le jeu qui s'écoule. Et Martial Cassi qui a retrouvé toutes ses jambes. Diaby en soutien. Et ce sera un corner. Et le corner dans un instant tiré par l'inévitable Souleymane Diaby. À l'origine de l'ouverture du score. Souleymane Diaby donc pour l'une des dernières occasions de cette première période. Et ça reste dans la surface malienne, on essaie de se dégager. Allez, encore. On recherche côté gauche, c'est bien fait. Et toujours Cassi qui repose son équipe, qui a failli revenir, hein, pour récupérer cette balle. Nous sommes toujours dans la première mi-temps après une interruption, hein, une incompréhension entre l'arbitre et le staff malien. Le premier mi-temps a pris un petit peu plus de temps que prévu. Allez, on bascule côté droit. Avec Habib Ndekofi. Ibrahim Kané. Ça construit moins côté malien, c'est de grands ballons qu'on balance à l'avant un petit peu à la va-vite. Alors qu'on voit qu'on
du côté des Ivoiriens, il y a vraiment un travail au milieu de terrain à la fois au niveau de l'attaque avec Souleymane Diaby, avec Willy Tabi qui amène vers leurs attaquants d'une manière beaucoup plus construite. Arnaud Lobaake et Thierry et Martial Cassis qui sont toujours recherchés. Là, on est même passé en 4-3-3. Et en fait, ce qui est fou dans le football africain, un petit peu moins stéréotypé qu'en Europe d'ailleurs, c'est que les systèmes de jeu évoluent un petit peu plus. On regarde un petit peu moins le 4-4-2 ou 4-3-3 où il y a des évolutions qui se font naturellement. Les joueurs sentent de même s'il faut amener le surnombre devant avec 3 joueurs devant. Allez, là on recherche encore, regardez, ça va très vite avec ce feu follet, Aboubakar, Kouyaté. Et ce sera un coup franc et toujours beaucoup de tension dans les tribunes sur chaque décision de monsieur l'arbitre. Ouais, les Maliens qui ne comprennent pas les décisions de monsieur l'arbitre, mais là moi je crois que c'est très clair. Il y a énorme faute hein, de Camara Mohamed d'ailleurs qui aurait pu prendre le deuxième jaune sur ce coup-là. Il s'en sort très bien le Malien parce que normalement pour moi il y avait deuxième jaune et exclusion. Allez, la grosse frappe lourde qui ne change rien. On va peut-être revoir cette faute du joueur malien. C'est le seul joueur averti depuis le début de la rencontre et c'est. Il n'a pas à faire ça parce que faut pas faire une telle faute par derrière en plus. Vous voyez juste le coup franc, il s'en sort très bien. On reste à 11 contre 11 mais c'est peut-être très serré. Très chaud. Allez, côté droit pour les Maliens, le jeu qui se poursuit. Non, ça ne donnera rien. C'est Edgar Dacoy qui peut reprendre cette balle. Edgar Dacoy toujours. Allez, pour une fois, ça n'arrive pas. Et derrière, Mohamed Camara. Mohamed Camara en 1-2 avec son attaquant Abdou Djidou, enfin milieu de terrain. Abdou Djidou dans ses œuvres. Et peut-être la frappe de Mohamed Camara. Oh, c'est incroyable! La frappe et le but du capitaine Mohamed Camara. Il y a quelques instants, il aurait peut-être dû être exclu parce que c'est lui qui a fait une énorme faute. Peut-être un deuxième jaune. C'est fou le foot. Et l'égalise juste avant la pause. Un partout donc entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Dans une tension folle. Et l'égalisation du coup du capitaine malien Mohamed Camara. En 1-2 avec Abdou Djidou. Et ça va faire polémique hein, tout ça. Ah, c'est dommage, erreur également, hein, petite erreur du portier ivoirien Dante El Hadj qui n'est pas exclu de tout reproche. Ouais, supporter malien, là, c'est la folie dans la tribune. L'égalisation donc de Mohamed Camara. Ah, c'est fou. Comme quoi le foot ça peut très très vite. Et voilà, là c'est l'habitant sur ce score donc de 1 partout entre la Côte d'Ivoire et le Mali dans une tension assez palpable dans ce stade Oufouette Boigny. Ah, les Ivoiriens d'ailleurs aussi qui sont un petit peu énervés là contre eux. Ils restent au milieu de terrain d'ailleurs, ils disent allez on reste groupés. Faut pas lâcher. Énorme tension hein, de part et d'autre. Ah, il s'est passé beaucoup de choses avec ce premier but sur, contre son camp du portier malien Youssouf Koïta après qu'une frappe de Souleymane Diaby à 18e minute de jeu. Ensuite, il y a une interruption. Ah, voilà, on rassure le portier. Interruption de jeu ensuite de 7 minutes après un échange vigoureux entre l'arbitre et le staff malien. Et puis Mohamed Camara qui avait déjà pris un jaune qui a failli être exclu sur une action qui n'a pas été sifflée par monsieur l'arbitre. Et c'est cet homme, Mohamed Camara, qui vient égaliser dans un climat assez pesant. Allez, on va revoir du coup les meilleurs moments de cette première mi-temps. Et en tout cas, l'arbitre qui sort avec des noms d'oiseaux un petit peu.
Avec, regardez, on revoit l'ouverture du score. La voici, les voisins. Regardez la frappe. Et regardez, voilà, la rage tout à l'heure, après cette frappe de Souleymane Diaby et contre son camp de Youssouf Koïta. Allez, on revoit encore hein, les meilleurs moments. Avec Martial Cassi qui a été très très bon tout au long de cette première mi-temps. L'attaquant de cette équipe ivoirienne, il aurait mérité hein, de marquer. Et puis et j'aime beaucoup ce feu follet Edgar Dacoy là pour c'était pour le capitaine là, Willy Tabi. Cette frappe du gauche qui passe à 3-4 mètres du but malien. Les Ivoiriens qui ont dominé. Mais les Ivoiriens qui se sont fait donc surprendre en fin de rencontre avec cette frappe de Mohamed Camara de loin des 25 mètres. La frappe des Maliens qui fait mouche. Et donc un partout à la pause entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Voilà donc pour la première mi-temps les amis. On se retrouve dans une petite dizaine de minutes pour la deuxième. Le temps pour vous de prendre un verre ou ce que vous voulez, d'aller vous rationner. Et on se retrouve très vite, à tout de suite.
De retour au stade Oufouette Boigny pour la deuxième mi-temps de la première demi-finale de ces Jeux de la Francophonie 2017. Une demi-finale un petit peu sous tension, il faut le dire, entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Ça fait un partout à la pause avec les Ivoiriens qui ont ouvert le score après un but contre son camp du gardien malien Youssouf Koïta. Ensuite, il y a eu un petit peu de tumulte avec l'entraîneur malien qui devait être exclu par l'entraîneur. Des discussions pendant 7 minutes. Et puis au bout du temps additionnel de la première mi-temps, le but égalisateur de Mohamed Camara. Le but égalisateur de Mohamed Camara qui quelques instants avant avait effectué quand même une faute sur les joueurs ivoiriens, qui n'a pas été sanctionné. Il méritait peut-être l'exclusion, mais en tout cas il est resté sur le terrain et c'est lui comme un symbole qui vient égaliser, le capitaine malien. Un partout, suspense entier donc pour une place en finale, la finale qui aura lieu ce dimanche. En tout cas, le vainqueur de ce match sera assuré d'une médaille, soit l'or ou l'argent. Et la deuxième demi-finale aura lieu cet après-midi. Allez, c'est parti pour cette deuxième mi-temps entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Les éléphants ivoiriens chez eux qui ont une envie énorme, et vous découvrez peut-être des joueurs comme les deux attaquants, hein, très intéressants, Arnaud Lobahake et Martial Cassi, très actifs. En tout cas, on ne s'est pas ennuyé une seconde hein, dans la première période. Et la deuxième demi-finale, je vous en parlais, qui aura lieu un petit peu plus tard dans la journée. D'ailleurs, il faudra être attentif également à cette demi-finale entre le Congo et le Maroc. Les Congolais qui ont éliminé l'équipe de France, c'est pas une mince affaire, puisque l'équipe de France, il y a quand même des joueurs qui évoluent Arsenal, à Marseille ou au Paris Saint-Germain, même si c'est parfois dans les réserves, mais tout de même. Et l'équipe de France de Bernard Diomen qui a été éliminée par le Congo, donc la RDC, hein, la République démocratique du Congo, qui affrontera donc le Maroc tout à l'heure. Dans ce même stade d'ailleurs, Oufouette Boigny. Allez, 45 minutes pour gagner sa place en finale. Et les joueurs ivoiriens qui espèrent, hein, avec peut-être la frappe ivoirienne, c'est bien fait. Ah, il y avait hors-jeu. Les joueurs ivoiriens, je vous en parlais, qui espèrent un deuxième titre dans ces Jeux de la Francophonie. Après avoir été sacré en 2005, c'était à Niamey. Eh bien, 12 ans après, ils veulent... il y a hors-jeu. On va revoir. C'est limite hein, quand même, mais j'ai l'impression qu'il y a hors-jeu. Et Youssouf Koïta, le portier malien, qui est resté au sort. Alors les deux portiers qui n'ont pas été exempts de tout reproche en première période, avec Youssouf Koïta, forcément le portier qui est à terre du Mali, qui a inscrit le but contre son camp. Et de l'autre côté, le portier ivoirien Nanté El Hadj. Lui, il aurait peut-être pu un petit peu mieux faire hein, sur l'égalisation malienne. Le ballon qui partait des 25 mètres, il a un petit peu tergiversé. Ce qui a provoqué l'égalisation du Mali. Et on revoit. Ah oui. Là, il y a eu les pieds en avant quand même d'Arnaud Lobahake. Et Youssouf Koïta, alors voilà, le voici, le portier Youssouf Koïta de cette section malienne. Et le public qui arrive encore. Alors, heure locale ici à Abidjan, il est 11h20. Et je sais que vous nous suivez un petit peu partout à travers le monde avec des heures, forcément des fuseaux horaires différents. Le temps est très humide ici, très chaud, très moite. Il a beaucoup plu cette nuit, donc la pelouse est détrempé. Mais bon, ça va vite sécher. Allez, le Mali qui repart à l'attaque.
les Maliens qui ont moins d'occasions en première période, une première période plus largement à l'avantage de la section ivoirienne, avec notamment Abdou Djibou. Lui, par contre, il fait mal hein, pour les Maliens. Le voici, Abdou Djibou. Et derrière, ça sort vite, côté droit. Alors, au niveau du palmarès, c'est le Congo-Brazzaville qui s'est imposé le plus dans cette compétition des Jeux de la Francophonie avec deux victoires sur la compétition. D'ailleurs, ce sont les tenants du titre. Allez, peut-être dans l'espace, il a bien trouvé l'espace. C'est bien fait ça. Est-ce qu'il y a un pénalty? Non, rien du tout, dit monsieur l'arbitre, alors que Souleymane Diaby était tombé dans la surface de réparation. Ah, des décisions pas faciles à prendre hein, pour Daouda Gomno, l'arbitre du Niger de cette rencontre. On va revoir cette action. Et Souleymane Diaby, allez, la voici. Regardez bien dans l'espace. Ah non, il tombe un petit peu tout seul. J'ai l'impression quand même, l'ami Souleymane Diaby, il n'a pas cherché à demander le pénalty. C'est plutôt fair play. Il faut dire que ça glisse hein, également. Je vous le disais, il a plu cette nuit. Et on a du mal à trouver l'intervalle côté malien, c'est plus compliqué. Hein. Les actions plus hachées pour les Maliens. Alors je vous disais, Congo-Brazzaville, deux victoires déjà dans les Jeux de la Francophonie. Deux victoires également pour le Canada, ce sont les deux équipes les plus titrées. Et en cas de victoire de la Côte d'Ivoire, attention avec le bon centre, la belle tête. Oh, c'est juste à côté. Quel dommage là pour Arnaud Lobaraké qui s'était élevé dans le ciel d'Abidjan. Ah, il lui a manqué un rien, c'est fou. Il était tout seul, absolument démarqué au deuxième poteau, sans marquage. Et ça donne le ton de cette deuxième période qui a déjà débuté depuis 5 minutes et toujours beaucoup d'engagement. Ouais, et si la Côte d'Ivoire s'impose hors de ces Jeux de la Francophonie, donc ce serait leur deuxième victoire dans la compétition et ils reviendraient au palmarès sur le Canada donc, et le Congo-Brazzaville. Ah, il y a de l'engagement, et l'arbitre qui... Gouffroy, ça se chauffe un petit peu. Allez, le tête contre tête. Et je vous le dis, beaucoup de tension hein, à la fois dans les tribunes, sur le terrain. Et là encore une poussette autoritaire. Épaule contre épaule avec le Malien Djemoussa Traoré là, qui s'est fait respecter. Et la touche pour les Maliens. Récupéré par les Ivoiriens. Et si vous êtes à Abidjan, n'hésitez pas à passer au stade pour voir la fin de cette rencontre ou tout à l'heure la deuxième demi-finale donc entre le Congo et le Maroc. Entrée gratuite. Bon, il y a pas mal de contrôle hein, avant de rentrer dans le stade, mais n'hésitez pas. Il y a vraiment du beau spectacle. Ce sont des acteurs que l'on verra. C'est scruté par les recruteurs également du monde entier. Ces joueurs pour l'instant jouent pour la majorité d'ailleurs quasiment tous, je crois qu'il n'y a pas de joueurs qui jouent dans le championnat européen, ils sont tous dans les championnats ivoiriens et maliens, mais on voit vraiment une grande qualité. Hein. Et c'était un tournoi très relevé, seul le premier de chaque groupe passait dans ces demi-finales avec ça ne donne rien du tout. Il y a une énorme ferveur je crois pour le foot dans ces Jeux de la Francophonie, c'est là où il y a le plus d'ambiance avec les matchs de basket également, avec une ambiance incroyable au Parc des Sports. Allez, on fait tourner le ballon avec Mamadou Sakho, le capitaine, Mohamed Camara, le buteur, peut-être le buteur qui va reprendre sa chance. Non, il a été bloqué, on demande une main, il n'y en a pas. Et les Ivoiriens qui jouent très propre, hein, très juste.
Et je suis impressionné notamment par ce petit 14 là, Edgar Dacoy, milieu récupérateur, qui est très bon. Attention, peut-être la frappe. Oh, l'envol magnifique est derrière. Oh, c'est juste à côté. Dommage après, la bonne frappe dans un premier temps d'Ulrich Meleke qu'on n'avait pas vu. Et puis dans un deuxième temps, Martial Cassis qui n'a pas pu redresser alors que Youssouf Koïta s'était bien interposé une première fois. Il n'avait pas réussi à prendre le ballon. Et là, regardez cette première frappe donc de Ulrich Meleke. Et derrière Martial Cassis, un petit peu trop juste. Et les Ivoiriens qui continuent. Hein. Et nous régale, Souleymane Diaby. Plus d'occasion quand même côté ivoirien. Plus de maîtrise technique, notamment avec les milieux offensifs Souleymane Diaby. Et image également de Willy Tabi. Et côté malien, et bien c'est un petit peu Mohamed Camara qui fait la pluie et le beau temps. Au milieu de terrain, également buteur, le numéro 6 et capitaine. La touche pour les Maliens. Elle est avec Mamadou Sakho. Et les Maliens qui progressent à la hauteur de leurs supporters. Les supporters, alors que l'on revoit la bonne frappe. Et regardez la reprise, dommage, hein, parce que ça partait bien. Allez, ça joue vite. Edgar Dacoy, Mustapha Camara. Et devant, ça part vite avec Arnaud Lobac. Et Lobac est toujours qui s'est fait contrer. Il a du mal à lâcher son ballon. Arnaud Lobac est un bon joueur, il va vite. Un peu de mal à lâcher la balle par contre. Ah, c'était pas facile, hein. Il y a du monde qui arrivait dessus. Et Souleymane Diaby pour frapper ce corner. On a vu que les Ivoiriens étaient très à l'aise, hein, sur les coups de pied arrêtés. Et quasiment tous les joueurs ivoiriens sont dans la surface. Il n'en reste plus que deux derrière. Regardez, incroyable. Hein. Sixième corner pour les Ivoiriens et ça marche toujours pas. Oh, très propre, quelle intervention là d'Aboubakar Kouyaté qui a pris le ballon mais magnifiquement, aucune faute vraiment, il a joué que le ballon d'une manière autoritaire. Ça, c'est le genre de tacle qui fait du bien pour une équipe, pour ce défenseur central ivoirien. Eh oui, l'entraîneur malien qui demande de l'impact. Allez au charbon. La touche pour les Maliens. Là, ça joue vite. Les Ivoiriens qui vont pouvoir ressortir proprement le ballon et on cherche Martial Cassis. Martial Cassis qui part dans la profondeur. Martial Cassis tout seul. Excentré désormais Martial Cassis, ça va pas être évident. Et le bon sauvetage d'Ibrahim Kané. Nouveau corner pour les joueurs de Côte d'Ivoire qui pressent encore et toujours.
septième corner pour les Ivoiriens. Avec la tête de Martial Cassi. Elle est partout. Hein. Abdou Djidou qui n'a pas pu sauver le. Les coups francs, c'est loin. La surface et pas de souci pour Youssouf Koïta. Très propre. Attention dans le dos, il y avait danger là avec derrière il y a El Bilal Touré qui arrivait très fort. Le voyez El Bilal Touré qui se bat. Ah c'est du très beau football. Oh là là, ça c'est un peu coup de fou. Abdou Djidou dans la profondeur avec Djemoussa Traoré. Bien coupé. L'heure de jeu toujours un partout entre la Côte d'Ivoire et le Mali dans cette demi-finale des Jeux de la Francophonie. Suspense total. Il reste une demi-heure à jouer dans le temps réglementaire. Et très bon coup franc à venir pour les Maliens. Juste en face de leurs supporters. Ouais, ça presse à un côté. Beaucoup d'ambiance avec les Maliens qui sont venus en force. Et voilà, on les voit, les supporters maliens, messieurs, dames. Ambiance incroyable, surchauffée dans ce stade Oufouette Boigny, du nom de l'ex-président. Et voilà ce stade, regardez, c'est bien rempli, hein, la tribune présidentielle notamment, qui est archi-comble. Et pour le frapper, Ibrahim Kané, côté malien. Mur qui se positionne pour les Ivoiriens. Allez, c'est bien frappé par Ibrahim Kané, un petit peu trop enveloppé. Ouais, un petit peu trop enveloppé quand même. Je retire le bien frappé. Les coups francs à suivre cette fois du côté de la Côte d'Ivoire avec numéro 18, mais l'autre numéro 18, celui de Souleymane Diaby pour les Ivoiriens. À l'origine du but ivoirien tout à l'heure, avec son formidable pied gauche, alors que les premiers changements vont bientôt avoir lieu. Hein. L'heure de jeu est toujours propice au changement. Et ben voilà, tiens, on va parler du changement. Avec la sortie de Mustapha Camara. Et l'entrée de Kouya Mabéa. Bref, pendant ce temps-là, le coup franc n'a rien donné. Kouya Mabéa qui s'est positionné sur le flanc gauche du milieu de terrain pour apporter encore un soutien offensif. Et de nouveau, le Mali attaque peut-être avec une frappe. Non, il a trop tergiversé. Abdou Djidou toujours. Avec à ses côtés, Hadji Dramé. Et le soleil qui tape désormais sur Abidjan. Elle est bientôt midi ici et c'est... pic de chaleur en tout cas, alors je dis même en étant juste dans les tribunes, en commentant, il fait déjà très très chaud. Et alors pour les joueurs, c'est une chaleur étouffante.
dans la moiteur de ce stade Félix Houphouët-Boigny. Avec un nouveau changement, cette fois côté malien, et la sortie de Hadji Dramé, l'attaquant. Et l'entrée en jeu d'un attaquant, Mamadou Traoré. Voilà, poste pour poste. Mamadou Traoré pour essayer de venir mettre ce but si important pour le Mali. Hein, là, un partout. C'est la partie d'échec menteur, de poker menteur, pardon. Allez, ballon qui sort. Et la possession de balle est clairement pour la Côte d'Ivoire avec 56% contre 44% pour le Mali. Ce sont les Ivoiriens qui dominent, mais hey, ils butent toujours sur le dernier geste pour l'instant. Ah, ils ont marqué leur but grâce notamment contre son camp. Allez, il tombe un petit peu facilement, notre ami Ivoirien. Martial Cassi. Mais on sent qu'ils peuvent marquer à tout instant les éléphants de Côte d'Ivoire. Une équipe très solide, je trouve, quand même, depuis le début du match. Surtout avec beaucoup d'atouts offensifs, notamment cet homme et son fabuleux pied gauche, Ousmane Diaby. Allez, ce coup franc excentré, un petit peu comme à l'image d'un corner. Souleymane Diaby pour le frapper. Oh là là, ça passe juste à côté, ils étaient deux, ils se sont gênés. Arnaud Lobaake et Martial Cassis, c'est ce que je vous le disais depuis le début, on a du mal à conclusion. Ouais, incompréhension entre les deux attaquants alors que Youssouf Koïta. Oh là 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 là. Allez, les gardiens qui sont pas gage de toute sérénité. Et le pied gauche. Une nouvelle fois de Souleymane Diaby, pas de soucis cette fois pour Youssouf Koïta. Allez, on joue vite, il n'y a pas de temps mort dans cette partie. Déjà 20 minutes dans cette deuxième période et toujours un partout entre la Côte d'Ivoire et le Mali. À la sortie de balle de celui qui vient de rentrer, Kouyama Béa. Bon, alors là, c'est un petit peu enflammé, Kouyama Béa. Le voici. Il a pris la place de Mustapha Camara. Et derrière, avec capitaine Willy Tabi. Et là, on sent qu'au niveau physique, ça a un petit peu baissé par rapport à la première période. Je vous le disais, il fait très très chaud, très très lourd. Et le corner à suivre avec, pour le frapper, le capitaine, donc Willy Tabi. Corner hors de temps, on cherche la solution. Alors ça a bien marché. Allez, encore le pied gauche. Ah, c'est dommage, il n'y avait personne au deuxième poteau. Il a surpris tout le monde, Souleymane Diaby. Le coup franc ivoirien. Alors qu'on voit un petit peu moins Martial Cassi, qui est omniprésent dans la première période. Les Ivoiriens toujours à l'attaque. Et le coup franc pour les Ivoiriens qui se rapprochent. Allez, dans la touche, pardon. Avec Edgar Dagoy.
Non, cette fois c'était moins ajusté là, Souleymane Diaby. En tout cas, il y a deux joueurs qui se démarquent vraiment, c'est quand même dans cette équipe ivoirienne, je trouve. Enfin, trois. Milieu de terrain, Edgar Dakoy qui récupère beaucoup. Souleymane Diaby également très très bon avec son pied gauche, même si bon, là, c'était le contre-exemple, mais il a été très très fort depuis le début. Et puis Martial Cassi qui a éliminé la première période. Oh, le petit pont du Malien. Ah, ça a réveillé les supporters maliens, ça. Beaucoup d'engagement toujours au milieu de terrain. Il faut être le premier à les retomber. Ça se passe vraiment sur chaque ballon. Hein. Beaucoup d'engagement. Et le ballon qui sera ivoirien. Attention parce que là il y a danger, il est tout seul l'Ivoirien. Oh magnifique, parce que là il y avait trois Maliens derrière, il n'y avait plus personne derrière côté Ivoirien. Et c'est reparti devant avec Arnaud Lobaké qui fait quand même des... Il y a du déchet technique, il a la volonté de bien faire mais il y a un petit peu de déchet, même si là il s'en sort bien avec pour Martial Cassi. Et de nouveau côté droit, les éléphants qui travaillent, mais cette de nouveau, ouais, on baisse de rythme, peut-être une faute, non, ça continue. Et les Ivoiriens dans la surface. Un nouveau corner, incroyable. Que de corner pour la Côte d'Ivoire qui domine cette rencontre et qui n'arrive pas à faire le break, qui n'arrive pas à marquer ce deuxième but. On change de frappeur pour ce corner. Cette fois, c'est Habib Andé Kofi. Kofi Habib Andé qui s'y colle. Ah, c'est bien parti. Et pour une fois, bien capté par Youssouf Koïta qui a l'habitude de relâcher régulièrement les ballons. Et bien là, c'était de la colle. Minutes encore à jouer dans cette première demi-finale des Jeux de la Francophonie, on vous le rappelle, entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Match très engagé, une première mi-temps complètement folle. Et la deuxième, eh bien, à côté, chaque équipe veut essayer de faire la différence, mais pour l'instant, les défenses qui tiennent bien. Là, ça repart avec Djibou Traoré, côté gauche, il est un petit peu isolé. Il s'en sort bien, il a voulu passer, il va obtenir le coup franc. Ah, il a voulu passer dans un trou de souris. Djibou Traoré et le carton jaune. Pour Ulrich Meleke, premier carton jaune pour du côté ivoirien. Il y a déjà eu un carton jaune tout à l'heure pour le malien Mohamed Camara, le buteur. Et là donc, premier carton jaune pour Ulrich Meleke. Ouais. Ah, c'était difficile, c'est soit on le mettait à Ulrich Meleke le 6 ou soit c'était pour Habib Andé. Le piège s'est refermé comme un piège à souris. Allez, Abdou Djidou pour frapper. Oh, c'est mal fait ça, c'est dommage. C'est dommage parce qu'il y avait bien mieux à faire. On était vraiment à une bonne position. Il y en avait beaucoup qui attendaient le ballon dans la surface des Maliens. Le dégagement pour la défense ivoirienne. On va chercher devant. Allez, la récupération toujours d'Edgar Dakoy. Edgar Dakoy peut-être à gauche de l'intervalle. Et il n'y a pas de trou, il n'y croit pas. Et ça sera un coup franc. Et un très très bon coup franc là pour les éléphants ivoiriens. Ça discute avec l'arbitre. On va revoir. Ah oui, parce qu'il a été accroché. Martial Cassi qui partait au but.
Ça, je vous dis, c'est une phase vraiment à travailler très très régulièrement lors des entraînements. Vous êtes face au but. Allez, aux 25 mètres avec un mur devant vous. Souvent, on met des figures mobiles. Regardez le nombre de fautes commises, hein, beaucoup plus du côté du Mali. 20 fautes commises, ce qu'ils subissent les Maliens. Et là, ils se demandent un petit peu qui pour tirer. Parce que c'est le pied gauche de Souleymane Diaby, le pied droit du capitaine Willy Tabi. Il y a également Edgar Dacoy qui n'est pas loin du ballon. Alors normalement, ça va être le pied droit. Hein. Edgar Dacoy ou Willy Tabi. C'est Willy Tabi. Ah non, c'est... Alors. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Ah, ils sont un peu plus précipités, les Ivoiriens, parce qu'il y avait vraiment mieux à faire sur ce coup franc bien trop rapidement joué. Alors qu'un quart d'heure de la fin du match, le public arrive encore dans ce stade Oufouette-Boigny. Il est bientôt midi, heure locale ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Vous nous suivez un petit peu partout à travers le monde. Et le pénalty pour les Ivoiriens. Incroyable la décision de monsieur l'arbitre Daouda Gondo, qui a un rôle prépondérant depuis le début de la partie. Tout à l'heure, il n'a pas exclu le capitaine Mohamed Camara, qui vient râler d'ailleurs, le capitaine Mohamed Camara. Alors là, on va revoir cette action, parce qu'il semblait ne pas avoir ah oui, c'est Martial. C'est Martial Cassi qui est accroché dans la surface par Fodé Konaté. Martial Cassi, le poison pour la défense malienne depuis le début de la partie. Et là, le pénalty donc pour la section ivoirienne. Un match bouillant, match brûlant. Tout à l'heure, il y a eu d'énormes échanges entre l'arbitre central. On va revoir. Hein. Ah, il est accroché. Il faut déconnecter. À vous de vous faire votre opinion également devant votre télévision. Je sais qu'on nous regarde également en Mali. Donc, c'est vraiment pas évident à prendre comme décision. L'entraîneur malien qui reste cette fois stoïque. Jonas Combla qui regarde surtout la conséquence de cette action, qui sera un pénalty à tirer pour les Ivoiriens. Et une énorme pression, parce que le stade ici où Fouette-Boigny est quasiment comble. Et la pression sur celui qui va tirer ce pénalty, avec une tension qui se fait sentir. Et les copes à la fois maliens et ivoiriens qui se répondent. Et je le dis, en fait, je suis entre les deux copes. Pour tout vous dire, la position commentateur à ma droite, et les supporters maliens à ma gauche, et les supporters ivoiriens. Et ça chambre un petit peu. En tout cas, il y a un homme qui est resté au sol. Ah, chaque ballon est âprement joué. Hein. Je me demande si c'est celui qui reste au sol. Ce ne sera pas celui qui a commis la faute, à savoir Fodé Konaté, mais difficile là, de reconnaître juste avec ses pieds. En tout cas, ils sont tellement nombreux autour de lui en tant qu'ambulancier, que je vous avoue, je ne vois même pas. Bah, c'est bien lui, il faut déconnater, ça y est, c'est bien lui, il faut déconnater. Donc, il est resté au sol. Et l'énorme pression pour le tireur, qui va être certainement ce qu'on a vu, Arnaud Lobaake. Ah, il y avait un duel dans les airs, et pourtant c'était lui qui se plaignait à Fodé Konaté, et c'est contre lui qui est sifflé ce pénalty. À la pression sur les épaules d'Arnaud Lobaake, l'avant-centre de cette équipe de Côte d'Ivoire. Il ne prend pas beaucoup d'élan face à Youssouf Koïta. Arnaud Loba qui est donc face à Youssouf Koïta. Un partout. Balle de break entre les pieds du buteur ivoirien.
Oh, la tension dans le stade Oufo de Boigny. Ça paraît le but. Le but pour la Côte d'Ivoire, inscrit par Arnaud Lobaraké. Les éléphants ivoiriens qui mènent désormais 2-1. Et le Mali qui va devoir revenir dans la rencontre. Il leur reste pour ça 12 minutes de jeu. La fête ici au stade Oufo de Boigny. Le public en délire. Il a pris tout son temps. Il a attendu que Youssouf Koïta choisisse son côté. Et il a placé sa balle sur la gauche du portier malien. Très solide, là, nerveusement, il a gardé le sang-froid. Arnaud Lobaraké pour venir inscrire ce pénalty. Parfaitement placé. Il n'a pas tiré en force, il a vraiment fait une balle bien placée. Et la fête, incroyable ferveur dans ce stade Oufo de Boigny, les amis. C'est vraiment pour ça que l'on aime le sport, c'est pour ça aussi que l'on aime le foot, pour vivre de telles émotions. Mais ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Parce qu'on l'a vu, hein. Tout à l'heure, les éléphants menaient déjà 1-0 avant de se faire revoir. Et les aigles, vous savez, sont toujours coriaces. Allez, Martial Cassis sur le côté droit, encore avec le buteur. Et ce sera un corner, nouveau corner pour l'équipe de Côte d'Ivoire. Ah, je vous dis, leur but, c'est pas de rester derrière à 10 derrière. Non, c'est de continuer à faire le jeu. Pourquoi pas d'aller mettre un troisième but. C'est le football, toujours spectacle. Le football d'attaque, c'est le football également africain que l'on apprécie toujours autant. Et la sortie, les changements tactiques avec la sortie rapide de Djemoussa Traoré, qui avait été très bon. Et l'entrée d'un autre attaquant, Lassata Ndiaye. Alors que là, c'est vraiment tactique parce que Djemoussa Traoré jouait plutôt derrière. On joue son va-tout côté malien. Deux attaquants sont rentrés, Lassana Ndiaye et Mamadou Traoré, pour essayer de faire la différence. D'ailleurs, il se positionne tout de suite devant avec un corner bien capté là par Youssouf Koïta. Ah, ils assurent, les Ivoiriens. Oh, le buteur qui se fait plaisir. Il a accroché le show Arnaud Lobaraké. Ça l'a libéré, ce but. Il est un petit peu tendu en première mi-temps. Et ce but a vraiment libéré l'un des deux avant-centres de cette équipe de Côte d'Ivoire. Il joue en 4-4-2 depuis le début avec Martial Cassis. En tout cas, il a été fort de prendre ses responsabilités. Il a assumé son rôle de buteur. Un beau but. Il a accroché. Et monsieur l'arbitre ne dit rien sur ce coup-là. Alors que nous, on est rentré dans la 10 dernières minutes du temps réglementaire. Et là, la partie va se tendre encore un petit peu plus. Hein. Ah, c'est sorti. Abdou Djidou pour la remise en jeu avec Mamadou Samaké. Abdou Djidou, ah, il est très très fort techniquement, cet Abdou Djidou. Ah, ça joue bien, ça combine bien dans la surface. Peut-être la frappe derrière, ça arrive vite. Là, c'est repoussé une première fois. Quelle incroyable frappe de la Sanadia qui venait de rentrer. Et le sauvetage de Dante Elhadj, le portier ivoirien. Oh, quelle occasion là pour les Maliens qui peuvent s'en vouloir. Il était tout seul vraiment, la Lassana Ndiaye, face à Dante Elhadj. Oh, l'arrêt. Alors, il n'avait pas été exempt de tout reproche sur le premier but malien, mais alors là, il a fait le boulot, il a fait le taf. Dante Elhadj, il sauve son équipe parce qu'il n'y avait plus personne en défense. D'ailleurs, c'est un petit peu bizarre. Et gros show également juste avant dans la surface, hein, des Maliens et de ce numéro 11, Mamadou Traoré. D'ailleurs, c'est les deux entrants, hein, qui ont mis le feu là dans la défense ivoirienne. Il faudra faire attention pour les éléphants, parce que l'attaque malienne a totalement changé avec les entrées de Mamadou Traoré et de Lassana Ndiaye. Allez, de l'autre côté, Martial Cassis toujours aussi propre. Peut-être l'occasion, Lobaraké. Il enlève trop son ballon, le buteur qui avait son temps pourtant. Oh, on rate des balles de break d'un côté comme de l'autre.
un vrai régal cette rencontre. C'est vraiment du grand football. C'est pas du football d'attente, c'est du football d'attaque, du football spectacle. Et encore et toujours, les assauts avec peut-être les Maliens dans ces reparties côté ivoirien. Willy Tabi. Martial Cassi. On fait tourner. Côté gauche. C'est longtemps qu'ils n'ont pas joué côté gauche, les Maliens. Ah, derrière, c'est solide hein, aussi, avec quand vous affrontez Habib Ndékofi. Alors, je regarde sur ma droite le COP malien. Ah, un petit peu stupéfait de la tournure des événements. Pas mal de mains entre les têtes et ça saute, moi, en tout cas, dans le COP malien, on comprend. Et le dernier changement du côté du Mali avec la sortie de Samaké et l'entrée en jeu de Cheikh Oumar Doucouré. Les trois changements ont donc été effectués du côté du Mali alors qu'il reste deux changements effectués hein, si les Ivoiriens veulent encore modifier un petit peu leur composition pour cette fin de rencontre. Pour l'instant ça tient bien. Mohamed Camara qui se fait rappeler à l'ordre. Ouais. Et on entend derrière moi, retourne au village. Parce qu'il était un petit peu trop avancé. Et Mohamed Camara qui essaye de combiner avec Mamadou Traoré qui fait du bien. Très très bonne entrée de Mamadou Traoré, son numéro 11 là sur le côté droit de l'attaque. Alors que deuxième changement pour les Ivoiriens avec l'entrée en jeu dans un instant d'Ali Sanogo. Et la sortie du capitaine Willy Tabi. Très précieux depuis le début de la rencontre. Willy Tabi qui a tout donné sur le terrain. Il peut sortir avec les acclamations parce que a été très bon. Une belle découverte également peut-être pour vous derrière au poste de télévision. Ce Willy Tabi a du physique, de la technique. Très précieux derrière les attaquants. Et l'entrée en jeu donc quasiment poste pour poste d'Ali Sanogo pour renforcer un peu plus le milieu de terrain de cette équipe ivoirienne. Et Ali Sanogo qui va directement vers le ballon, il n'y a pas cru. Alors, il reste moins de 5 minutes. Hein, 3 minutes 30 encore dans le temps réglementaire. Et les Maliens qui ont du mal à trouver le chemin du but. Bon, aussi, hein, c'est toujours difficile les derniers instants. Il y a souvent des buts. Il peut y avoir aussi la peur de gagner du côté ivoirien. Hein, donc, mais en tout cas, on ne les sent pas pour l'instant. Stressé, pas vraiment pressé par les Maliens, donc ils gèrent bien leur avantage au score. Et on voit la faute hein, de Mohamed Camara, qui était déjà averti en première mi-temps et qui n'a toujours pas pris de ACI. Il prend le carton. Et le rouge d'ailleurs, allez, tiens, le rouge pour l'autre, pour Apoujidou, qui a râlé. Et pourtant, à la base, c'était la faute de Mohamed Camara, qui aurait mérité le deuxième jaune et l'exclusion aussi. Et bien non, là, le rouge, l'exclusion pour Apoujidou. Côté malien, ça va être un petit peu chaud les amis parce que il y a eu plusieurs attentions avec le corps arbitral et il y a Boujidou qui rentre, qui n'a pas envie de sortir. On va revoir. Ah oui. Mais sauf que c'est pas la faute d'Aboujidou dans une base. Il y a deux fautes. En fait c'était là, c'est la faute de Mohamed Camara là. C'est pas le bon qui a été sanctionné au début. Bon après il y a eu des mots qui ont fait que Aboujidou sorte. Mais là-bas, c'était une énorme faute incroyable hein, de Mohamed Camara, qui lui est toujours sur le terrain après un carton jaune et deux énormes fautes. Il s'en sort très très bien, le capitaine du Mali. Alors vous voyez le nombre de fautes, hein, là, il n'y a pas photo, 24 fautes du côté du Mali.
9 fautes du côté ivoirien alors qu'il reste 1 minute 30 dans le temps réglementaire. Allez, les derniers instants de cette partie avec peut-être encore une occasion pour la Côte d'Ivoire. Ah, c'est un petit peu chaud aussi dans les tribunes. On approche de la fin du match et forcément les Ivoiriens vont pouvoir peut-être être libérés. Au début d'hier, on a laissé le premier but à Diaby sur sa frappe, mais bon, c'est plus un contre son camp de Youssouf Keïta, parce que s'il n'y avait pas le portier malien qui avait touché ce balle avec son dos, le ballon ne serait jamais rentré. En tout cas, ça fait toujours 2-1 pour la Côte d'Ivoire. El Mali essaye de revenir, ouais, là il y aura carton jaune. Hein. Carton jaune logique pour Thomas Zaïdrazi. Zaïdrazi, pardon. Deux buts à un et on va rentrer dans le temps additionnel de cette demi-finale des Jeux de la Francophonie avec 3 minutes de temps additionnel. 3 minutes pour aller chercher une place en finale. Pour l'instant, la Côte d'Ivoire tient sa place pour une finale en son pays. Finale qui aura lieu dimanche avec comme adversaire soit le Congo soit le Maroc. Une autre demi-finale qui aura lieu dans 3 heures. Donc restez attentifs, restez avec nous parce que il y aura également beaucoup de spectacles. Je pense que ça peut être un petit peu chaud entre les supporters du Mali et supporters ivoiriens en fin de rencontre. Il y a un petit peu de tension à la fois sur et en dehors du terrain. Allez, il faut que les esprits se calment. Alors qu'il reste 2 minutes à jouer encore dans cette rencontre entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Les supporters du Mali qui commencent à... Les supporters du Mali qui commencent à quitter le stade. Et les Ivoiriens qui poursuivent leurs efforts, toujours avec Edgar Dakoy, très précieux au milieu de terrain depuis le début de cette rencontre, le buteur. Attention à la frappe, ah, il aura mérité Edgar Dakoy pour tout ce qu'il a fait, pour l'ensemble de son œuvre, le petit milieu de terrain ivoirien. Allez, encore un petit peu plus d'une minute à jouer dans cette rencontre, dans cette demi-finale, pour connaître le grand vainqueur. La Côte d'Ivoire, si on en reste là, sera assurée d'une médaille, ce sera l'argent ou l'or. Et le Mali qui doit absolument revenir, il ne reste plus qu'une minute avec Mamadou Traoré. Mamadou Traoré qui poursuit son effort, c'est bien stoppé. Allez, ils poursuivent avec Tchekoumar Doucouré. Côté gauche, il y a danger pour les Ivoiriens. Peut-être la frappe. Là, et le but ! Le but ! Le but malien ! Dans le temps additionnel, il ne restait plus de but. Aïe ! Incroyable ! Il y a hors-jeu ! Hors-jeu ! Hors-jeu ! On arrête tout. Ils avaient déjà retiré le t-shirt, les Maliens. Et là, il va falloir revoir ça parce que... Oh là là, attention ! Oh là, attention, les amis ! Là, les Maliens qui protestent. Alors qu'il restait 30 secondes. Et le Mali qui venait d'égaliser. Et c'est hors jeu. Il va falloir revoir. Alors, on va revoir l'action. Pour l'instant, il n'y a pas du tout hors jeu. Là, il n'y a pas hors jeu, mais c'est après. Là, il n'y a pas hors jeu. Attention. Il y a une reprise. Ouais, c'est là. Non, qu'est-ce qu'il y a avant ? Ouais, c'est une reprise après avec le gardien. C'est
Après, c'est le gardien qui repousse. Ça retombe sur, sur le joueur ivoirien. Beaucoup de confusion dans cette, fin de partie. En tout cas, l'arbitre qui a pris les responsabilités. Voilà, c'est le gardien qui repousse. Il n'y avait personne entre le gardien après et l'attaquant malien, mais c'était pas une passe, donc c'est en tout cas très serré et on risque d'en rester là sur ce score de 2 buts à 1 entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Il ne reste plus qu'une poignée de secondes à jouer. Une rencontre en tout cas avec pas mal de décisions difficiles à prendre pour le corps arbitral. Et voilà, on en restera là. Et la Côte d'Ivoire tient sa finale à domicile face aux Aigles maliens. La victoire 2 buts 1 pour la Côte d'Ivoire avec à la 18e minute la frappe de Souleymane Diaby et le but contre son camp du portier Youssouf Koïta. L'égalisation en toute fin de première mi-temps. Vous voyez 45-13 de Mohamed Camara, le malien, le capitaine du Mali. Et enfin, le but vainqueur d'Arnaud Loba hacké sur pénalty alors que le Mali aurait pu revenir malgré une position de hors-jeu en toute fin de partie. Un grand merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve tout à l'heure pour la deuxième demi-finale entre le Congo et le Maroc. Bon appétit si vous êtes à table et sinon bonne fin de journée à tous. À très vite, merci, ciao ciao. Démocratique du Congo.